Je bénis le Seigneur, chers amis, parce que vous me faites la joie de me recevoir chez vous à travers la réflexion de la leçon de l'école du sabbat. Que Dieu puisse vous bénir pour cela et que sa parole puisse vous faire du bien. Notre sujet du jour, une arme conquérante. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci de préparer nos cœurs pour cette belle leçon. Donne-nous ta paix, ta grâce et conduis-nous dans cette réflexion et que nous puissions nous laisser toucher par ta parole. Je t'ai prie en Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous invite à lire avec moi quelques versets dans deux chroniques, vingt versets 1 à 30. Après cela, le fils de Morab et les fils d'Amon, et avec eux des Morabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Amson, Tamar, qui est Engedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô oh notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours la postérité d'Abraham qui t'aimait? Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie. Fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Verset 15. Et Jacques -Aziel dit Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et trois rois Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoute-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affirmés, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Verset 22, au même moment où l'on commençait les chants, et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et verset 30 et le royaume de josaphat fut tranquille et son dieu lui donna du repos de tous côtés chers amis nous pouvons nous demander quand est-ce que josaphat a découvert que la lourange est une arme puissante le récit nous dit qu'après avoir reçu le rapport qu'une multitude nombreuse s'avançait contre lui josaphat ne sauta pas immédiatement à l'action militaire mais se disposa à chercher l'éternel alors que le peuple de juda vint à jérusalem pour un jeûne Josaphat admit la réalité de la situation, disant que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, éternel. Amen. Alors, deux questions se posent à nous. Quand vous voyez approcher une multitude nombreuse, quelle est votre réaction instinctive, mes amis? Et sur la base de la réponse de Josaphat dans deux chroniques 23 à 12, que pouvez-vous apprendre sur la gestion d'une opposition écrasante? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. En tout cas, la Bible dit lorsque l'Esprit du Seigneur vint sur Jacques Aziel, il annonça hardiment Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point. Et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Après cela, dit la Bible, ils adorèrent Dieu et lui chantèrent des louanges d'une voix forte et haute. Donc, même si Dieu allait combattre pour eux, mes amis, ils devaient quand même sortir pour faire face à l'ennemi. Mais ce n'était pas une marche ordinaire vers la guerre. Josaphat forma une chorale pour chanter des louanges au Seigneur alors qu'il sortait. « Au moment où l'on commençait les champs et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Morab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. » Alléluia. « Selon l'auteur, Dieu était intervenu au moment même où il exerçait leur foi en sa promesse, alors qu'il le louerait et disait, « Lourez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Alléluia. » Alors une question, relisez vingt 21 à 30, chez vous, tranquillement. Quels principes spirituels pouvez-vous y trouver, pouvant s'appliquer à votre propre marche avec Dieu, en particulier dans les moments d'épreuve et de stress? Alors que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion, mes amis. En tout cas, ce qui est important à retenir dans la leçon d'aujourd'hui, c'est que Josaphat recommanda instantanément à ses troupes d'affermir leur foi en Dieu. La foi inculque en l'homme le véritable courage. Rien ne peut affirmer davantage le cœur humain lors de l'épreuve qu'une parfaite confiance en la puissance, la miséricorde et les promesses divines. Que notre foi et nos louanges envers Dieu puissent être particulièrement axés, mes amis, sur la miséricorde éternelle réservée aux pécheurs et grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi... Le peuple se réjouit de la victoire avant même qu'elle se produise. Le texte dit le lendemain se levant de grand matin pour voir ce que l'Éternel ferait, ils marchèrent jusqu'au camp de bataille, les chanteurs placés en tête comme s'ils se rendaient à une fête. Josaphat prouve sa foi en ce qu'il fait commencer les chants et les louanges avant même l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. En conclusion donc, je dirais quel encouragement pour nous l'histoire de Josaphat. Dans la détresse, mes amis, regardons à Dieu plutôt qu'au secours humain. Confions-nous en lui et montrons-le lui par une louange qui soit vraiment l'expression de nos pensées et de nos sentiments. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, chers amis, et à demain pour la suite et la fin de notre semaine de réflexion.